Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon Let's Play Civilization 6. Je suis à la recherche là depuis tout à l'heure avant de lancer la vidéo de l'inquisiteur. Ah, il est là. Est-ce que je le course ou pas? Ouais, je pense. Ah, ou alors je lui fais d'abord gagner un peu d'expérience, un niveau. On peut propager sa religion, la propagation, non, la propagation, non, on peut propager sa religion. Ah, puissance 20 en plus 20 de puissance religieuse en combat théologique. Va partir là-dessus. Donc là, je vais prendre ça. Et on va aller chercher ces barbares là. Ça suffit pas, hein. Ils sont toujours catholiques, orthodoxes, pardon. Je vais m'en acheter un autre. Lui va prendre son niveau. Il faut que je modernise cette unité quand même. J'ai oublié. Je suis toujours sur l'archer de base, quoi. Ça fait un peu pitié. Barbare en approche. Alors lui, normalement, il devrait pouvoir tirer. Ouais. Ok, lui, je vais le. Je vais dépenser l'argent. Alors l'apôtre. Est-ce qu'il est toujours dans les parages, l'autre? Ouais, il est là. Hein. Merde, je peux pas. De judaïsme, ça suffit pas? Putain. Là on y va. Là, on y va si on peut. Je sens qu'il m'a attaqué là. Sauf qu'il a pris un moins 66. Je sais pas pourquoi parfois. Donc là normalement je devrais pouvoir l'achever. Une grande victoire. Et il fit d'abord un bouclier. Ouais, normalement là. Du coup, la religion orthodoxe recule. Là, c'est bon. Là, on va aller les convertir. Là, on va continuer à bombarder. Là, pareil. Là, on va le poursuivre ici. Alors, ici, le but en fait, ce serait plutôt de réparer tout ce qu'il a pu détruire. Donc, pour l'instant, on va attendre. Il y a encore un barbare tout trop près de moi là. On va prendre assainissement. Un personnage illustre. Ok, recruter. Ici, on va faire un aqueduc si c'est possible. Ouais. Oui. Donc là, on va aller dans la zone commerciale et on va appliquer 0,5 d'or par route commerciale intérieure pour chaque quartier spécialisé dans la ville d'arrivée. Vous recevez un émissaire. Ok. Émissaire que je vais mettre. Toujours sur Amsterdam. Ouais, c'est parti. En plus, on va passer à 3, donc on va gagner 4 d'or pour chaque plateforme commerciale. Ah, mais je suis content, j'ai gagné avec mon apôtre là. Ah merde, Jakarta m'a échappé. Fait chier, j'avais juste un. Là, je vais pouvoir le récupérer. La première fois que je suis monté sur le toit du palais de Potala, j'ai senti plus que jamais que je montais sur le toit de ma propre existence, sur une dimension de conscience que je n'avais encore jamais connue auparavant.
Parfait. En plus, j'ai optimisé informatique. Et c'est quoi le la valeur de ce truc? Comment je fais pour avoir la liste de ce que j'ai déjà construit? Plus 2 en culture, plus 3 en foi. D'accord. Ok, ok. Alors du coup ici, on va prendre la reine. L'Alhambra, plus 2 d'activité, plus 2 de général illustre. 3, le même bonus défensif que le fort. Je vais plutôt faire un bâtisseur, d'abord. J'ai gagné une doctrine diplomatique. Les premiers émissaires que vous envoyez dans chaque ville comptent pour 2. Plus 1 d'or pour chaque émissaire dans une cité-état. J'en ai plein de... Ça, je suis passé de plus 40, je suis passé à plus 89. Ah oui, des émissaires, j'en ai 50. Enfin, j'en ai 40 exactement. Ça, c'est assez monstrueux, je dois dire. Je lui tire dessus ou pas là? Char lourd. Où est-ce qu'il voit un char lourd? Merde, il n'a pas été détruit. Donc lui, est-ce que... propager la religion... Lui, il va propager la religion. Lui, il va rentrer pour l'instant. On va le mettre à dormir. On va le garder en réserve. Ouais, parfait. On va pouvoir réparer. Moins 36. Adopter la monarchie. Je suis quoi moi déjà? Je suis toujours en théocratie je crois. Ouais. Eh merde, il a pillé un de mes bâtiments. Alors, un nouveau émissaire. Donc Jakarta, je vais le reprendre. Ça tombe bien, en plus à 6, je vais gagner 4 d'or supplémentaires pour chaque plateforme commerciale. Et en plus, je reprends la ville. Ouais, là, je suis pas sûr de gagner, c'est ça qui m'inquiète, si ça a l'air bon. Je crois que je vais l'avoir à l'usure. J'espère. Ah, j'ai découvert quelqu'un d'autre. J'hallucine après tout ce temps-là. Bah c'est bien. Ouais, c'est parce qu'ils sont très très loin quand même, hein, je pense. Ceci dit, j'ai essayé de faire du commerce. Je sais pas si je vais pouvoir. Ouf, il m'a pas attaqué. Vos proches chevaliers ont vaincu son ennemi. J'ai optimisé science militaire. Donc lui, il va tirer là-dessus. On va l'achever. Lui, il va se reposer. Alors, j'ai rencontré... je sais pas comment dire son nom là. Établir une ambassade permanente. Ok, au revoir. Établir une ambassade permanente. Il a l'air heureux mais sans plus. Hein. Lui peut... Elle aussi peut-être. Si, ils sont tous heureux en fait. Faire un marché. Qu'est-ce que j'obtiendrai? Ah, que de l'argent.
Ceci dit, pourquoi pas. Et ça. Ah, il me fait pas payer très cher, honnêtement. Je vais accepter. J'ai pas du tout de coton, moi. Ouais, c'est possible, honnêtement. J'avoue que je saurais pas dire. Ah, ok. S'il me dit que j'en ai pas, on va lui faire confiance. Oh, le retour des inquisiteurs. Ah, on va aller se fighter. Des apôtres, pardon, c'est un apôtre, pas un inquisiteur. Nos soldats ont appris à réunir deux unités militaires dans un même régiment. Bien plus puissant que deux unités seules. La nature humaine, okay. Comme on peut le voir dans le tribalisme et le nationalisme, offre l'élan nécessaire à la machine de l'évolution. Pour le nationalisme, les changements de gouvernement et de doctrine sont gratuits pour ce tour. Honnêtement, je suis pas sûr que j'ai besoin de changer quoi que ce soit. Non, là, je suis plutôt pas mal. Non, non, on va garder ce que j'ai. Par contre, on va aller se battre. Alors, deux secondes. D'abord ça. Acropole réparation. Ouais. Les quartiers sont réparables uniquement comme ça. Je ne savais pas au début, mais... Le bâtisseur. Il va faire juste une scierie ici, je crois. Lui, il peut pas y aller. Lui, il va réparer. Lui, il va se mettre dans une ville. Celle-là, par exemple. Lui, il va se battre. Et il a regagné tous ses points de vie. D'accord. Normalement, on devrait le battre. Il veut pas y aller, là? Si, c'est parti. Moins 90. Jérusalem. J'ai perdu... je suis à 3 sur 4. Ah, je l'ai battu. J'ai même écrasé, là. Ouf. Est-ce qu'il gagne de l'expérience, là? Un petit peu, mais c'est pas très rapide, honnêtement. Un personnage illustre en plus. Construit instantanément une université et une bibliothèque dans ce quartier. Ouais, c'est intéressant, ça. Alors là, on va se battre. Oh merde, je comptais le tuer. Alors, est-ce que j'ai un truc où... Peut-être ici... Campus. Ouais, on va construire le campus. Genre ici. Et on va aller s'installer dessus, mais bon, il faudra attendre qu'il soit fini. 41 tours, ça fait long. Mais dès qu'il sera fini, on pourra tout construire dessus. C'est plutôt bien. Donc là, je suis rendu à mon maximum, je crois. 11, 25 tours de croissance. Ah merde, j'avais pas vu que j'avais décoché la case carrément. 35, c'est très très long. Hein. Il essaye de fuir. Ça va pas se passer comme ça. Donc là, j'ai dit que j'allais faire une scierie. Lui va attaquer ici. Ah, parfait. Plus 250 judaïsme partout. Enfin, partout autour. J'ai l'impression qu'on reprend un peu le dessus. Réparation de l'amphithéâtre. Que je peux lui faire faire à lui.
D'abord, est-ce qu'il a des vraies ressources? Ouais, ici. Lui, il va réparer. Non, il a déjà réparé. Non, normalement, c'est cassé, là. Oui, c'est là, pardon. Donc, lui, il va dormir. Dans l'immédiat. Quatre, trois... C'est quand même pas cher payé, je trouve. Oui, cet accord me convient. Non, d'accord. Oui, cet accord me convient. Ok. On va voir. Finalement, mon explorer, il va peut-être découvrir d'autres civilisations encore. Je l'avais un peu oublié, j'avoue. Mais rien n'est fini a priori. Alors lui son but c'était Vilnius. Ouais Vilnius. Eux ils vont rentrer. Je vais le mettre sur le lieu saint. Et on va le mettre à dormir. C'est quoi ça? Prêcher une croyance. Non, non, on va le mettre à dormir. Donc lui, son but, c'était de réparer, donc c'est fait, et peut-être de... Je vais faire de la bouffe, ouais. Ici. Donc là, je vais fortifier. Ça, c'est bientôt fini, ça, c'est bientôt fini. Tolède. Le colonialisme, l'expansion forcée du règne de la raison. Mais qui ira la production 100% pour les unités navales. Science pour chaque cité-état dont vous êtes le suzerain. Putain, ça c'est pas mal. Je sais pas, on verra. Donc là j'ai fait à peu près. Ah non, j'ai pas fait de comptoir commercial sur Atusa encore. Un émissaire. On va continuer à avancer sur Amsterdam. Il n'y a pas de raison. On est presque bon. Surtout que j'en ai deux en fait. Ah oui, maintenant j'en ai deux, c'est vrai. Bien. Le bonus spécial. Vos routes commerciales menant à des capitales étrangères gagnent une unité d'or en plus pour chaque ressource de luxe. Hein. Sauf que j'ai pas de ressources commerciales vers des capitales étrangères. Mais je pourrais peut-être faire un effort et en faire une. Donc lui, il va jusqu'à Vilnius, j'ai dit. Je sais pas pourquoi il s'est arrêté là. Il n'est pas du tout rendu où il faut. Donc ça va se finir. Ça va se finir. Oh, qu'est-ce que je vois là-bas? Un truc à défoncer. Un foutu missionnaire. Donc ça, je vais fortifier. Je regarde juste vite fait. Athènes, amphithéâtre. Athènes, amphithéâtre. On va y coller un chef-d'œuvre. L'amphithéâtre, c'est là. Cette partie. Donc lui, on va lui faire un musée d'art, je pense. Lui, il va aller poursuivre ça. Ah merde, il y en avait un autre là. Sérieux, j'avais pas vu. Un port, acropole. J'ai fait la production. On va faire l'acropole, je pense, vite fait. Par contre, ce que je pourrais faire là, c'est acheter la case quand même. Elle est pas très loin. Pareil, celle-là. On va améliorer cette ville. Putain, j'arrive pas à les convertir. Là, j'ai un problème d'habitabilité, mais ça va changer. D'activité, pardon.
pas le problème ici. Non, c'est d'habitabilité, mais ça va changer avec l'aqueduc. Donc là, on fait de la nourriture. Les deux points qu'il a, il va les dépenser à Knossos, je pense. Je sais pas pourquoi elle me dit ça, elle, honnêtement. Je préfère pas l'écouter. Histoire de nature. Ah, j'ai optimisé une deuxième fois, je pense. Ah non, c'est parce que je suis en train de la faire. C'est parce que j'ai dû faire deux musées. Aucune innovation de ces deux derniers siècles. Médecin, plus réseau pour d'égout. Notre hygiène, notre santé. Ok. Donc lui, il va aller faire la mine qu'elle a. Production en série. Ah, lui, il va continuer. Lui va attaquer. Ouais, je l'ai eu en un seul coup. Du coup, j'ai fait un artiste illustre. Ah, ça c'est cool. Je crois que j'avais besoin d'un artiste. Notre civilisation a inspiré un artiste célèbre. Ouais. Sur Buenos Aires. Donc on va aller là. Et on va l'y coller. J'appelle Sixtine. Ah, il peut faire plusieurs choses en fait. Il a à la fois des trucs religieux et des sculptures. Bon, on va voir. Le plafond de la chapelle Sixtine. Alors, j'ai un émissaire en plus, j'avais pas vu. Donc on va essayer d'aller à 6 avec plutôt culture, je pense. Plus 2 de culture supplémentaire pour chaque place de théâtre. Donc on était à 105, on verra combien ça nous fera passer. Lui, est-ce qu'il a besoin de plus 2 d'habitation? Ouais, il a besoin. Donc on va faire le réseau d'égout. C'est un peu long le réseau d'égout quand même, 20 tours. Ok, merci. Je sais. Il est un peu loin de toute façon, j'en ai un peu rien à faire d'eux. Quoi qu'il arrive, ce sera pas nos adversaires directs. Alors, ce qu'il me faudrait donc, c'est des routes vers des capitales. Hein. C'est ça que. Ouais, comment je fais pour savoir ce qu'est une capitale ou pas? Saint-Pétersbourg, c'est la capitale, donc on va y aller. Ok. Ah merde, j'ai plus de missionnaires, il y a une ville qui m'a quitté. Erevan. Bon, il faudra que je la récupère. David. Donc lui, il va continuer à chasser, ouais. Ah, les temps sont durs hein, pour la religion, pour les orthodoxes. Oh merde. Sérieux. On va s'occuper de ça tout de suite. Oh merde, encore un autre là. En plus, si je commence à le tuer ici, ça va peut-être augmenter la foi à Erevan. Dans tous les travaux d'histoire naturelle, nous cherchons constamment les détails de la fantastique Zoo, adaptation des animaux à leur nourriture. La Pietà. Ok. Je commence à faire du tourisme. Honnêtement, je sais pas encore tout à fait à quoi ça sert. Mais j'espère que ce sera intéressant. Leurs bénéfices. Et je suis à 3 sur 4 sur les routes. Ah, j'ai gagné un émissaire, donc je vais pouvoir regagner Erevan. Il y a eu quelqu'un qui a eu la mauvaise ressource découverte. Nous avons découvert
Une nouvelle source de site antique. C'est quoi ça? Ah, c'est là. Envoyer un archéologue. Il est gentil, mais... négociant... archéologue, il faut peut-être que j'ai fait un musée archéologique. Ouais. Est-ce que je peux pas l'acheter? Oh putain, 1600. Ouais, il va falloir faire des économies. Il est là. Putain, j'arrive pas à les convertir. C'est pas la première fois que j'essaye. Lui c'est quoi lui? Il était censé faire quoi? Un chef-d'œuvre littéraire? Ah oui, mais il y a quelqu'un sur place, donc on va attendre. Ah, ça m'embête ça quand même. La croissance, c'est pas ça. 11,42. Ouais. Ou tout en production. Rien nourriture. 60. 30, ouais. C'est pas génial. Bon. Ils ont découvert château, appris que la Russie a changé de gouvernement. Les gens peuvent acheter la Ford T dans n'importe quel coup. Ok, c'est parti. L'homme est doté de 5 sens extérieurs, et chacun de ces sens est indépendant des 4 autres. En effet, le nez ne sait pas ce que voient les yeux. Yeux ne savent pas ce qu'entendent les oreilles. Et les oreilles ne savent pas ce que goûte la langue. Alors, là. Je l'ai eu. Malheureusement, ça n'a pas apporté de... Ça n'a pas apporté, comment ça s'appelle, de points à ma religion. Dans les villes qui m'intéressaient. Industrialisation. Allons-y gaiement. Ah, ça commence à être un peu chargé la carte, j'avoue. Donc ça c'est bon. Ça c'est bon. C'est très long. Ah, la carte elle est super. Encore j'ai baissé en qualité graphique, hein, mais l'aqueduc ici quand même c'est joli. Mais j'ai vraiment baissé en qualité graphique. Bah merde, le tour est pas fini, pardon. Ok, c'est pas moi qui ferai l'argent, c'est Vilnius, mais enfin tant pis. Votre délégué a appris que Skitty a construit un hôtel. Sérieux, il veut pas me dire toutes les constructions que tout le monde fait en permanence, quoi. Ça fait un peu beaucoup, j'avoue. Ah merde, je l'ai pas eu. Bon là, comme je l'ai dit, c'est pas moi qui ai eu la destruction, c'est pas grave. C'est quoi là-haut là? Putain, il a quand même une sacrée armée là. Alors on va l'achever. Je pense que ces villes-là sont plus près de se convertir. Hein. Vu tout ce que j'ai détruit aux alentours, on est tranquille pour un certain temps. Réseau d'égout, est-ce qu'on est bloqué là sur les habitations? Ah ouais, on est complètement bloqué. Ah, une petite pause, je suis désolé, je vous retrouve demain pour la suite de ce let's play.